Le mois dernier, le géant du chocolat Mars avait ordonné le rappel de millions de barres chocolatées dans le monde pour cause de malfaçons, un consommateur ayant trouvé un petit bout de plastique dans un produit. La mesure de rappel s'applique aussi au territoire palestinien de Gaza. Les autorités locales ont ainsi retiré de la vente les produits concernés. 15 tonnes ont été détruites ce jeudi dans un terrain vague de Gaza City, jetées dans un cratère avant d'être brûlées. Nous avons détruit les barres chocolatées des marques Snickers et Mars qu'on avait au préalable collectées dans les magasins, explique ce responsable du Bureau de la protection des consommateurs. Nous avons fait cela en coordination avec les importateurs et les distributeurs. Nous avions ordre de retirer tous ces produits du marché. Et Gaza est soumis à des restrictions sur les importations de la part d'Israël, une mesure visant à affaiblir le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien. Mais ce blocus ne concerne pas le chocolat, ce qui fait dire à certains observateurs que les barres chocolatées devraient rapidement être à nouveau disponibles pour les amateurs.